Il était une fois, en 2021, un monde sans grande joie pour beaucoup de terriens. Une longue année entière que ce sacré virus nous pompe vraiment l'air, pour ne pas dire plus. Mais malgré cette crise, son est plein de projets, sans avoir de prise sur le monde d'après. Ainsi, pour quelques-uns, cette fameuse Covid a bien créé du lien avant de n'être qu'un vide. Se rencontrer quand même, en pleine pandémie, découvrir que l'on s'aime, une page que l'on écrit. Eux aussi se rappelleront longtemps de leur confinement. Manon, étudiante amiénoise, et Diego, barman italien, se sont connus à Londres en mars dernier grâce à une application. À quelques jours du confinement anglais, et après seulement 3 rendez-vous, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait ? Et on a décidé du coup de se confiner ensemble alors que ça faisait 2 semaines qu'on se connaissait. C'est un peu fou comme décision. Yeah, that was a bit crazy. Yeah, it was a bit crazy decision. Yeah, we arrive at one point where we had to decide what to do. Il y avait vraiment un choix qui faisait que c'est soit on quittait complètement cette vie tous les deux à Londres et on retournait en fait dans notre pays d'origine. De plus se voir. De plus se voir et on se serait plus jamais vus. Et du coup, c'était plus c'était un choix du cœur, d'intuition. Et puis, c'était aussi une situation tellement difficile que comme on vivait un truc cool ensemble, parce qu'il faut le dire, même si c'était difficile dehors, honestly, it was really nice that we stayed together during this time. Ah yeah, of course. Of course. Yeah, it was amazing. It was the best decision that we could make. Le déconfinement arrive. Manon et Diego n'ont plus de travail. Ils décident de rentrer chacun dans leur pays pour voir leur famille, mais se retrouvent au cours de l'été et se connaissent désormais très bien. Depuis, ils ne se sont plus quittés et leur expérience, ils ne l'oublieront jamais. She found a job, I found a job. I think there is no fail. And you are together. And we are together. That's the most important thing. Je trouve que c'est une relation qui on aura des choses à raconter, quoi. Enfin, c'est assez drôle. That's funny. Yeah, our story. Yeah, it's funny and beautiful. Yeah. Après avoir retenté l'aventure à Londres en septembre, aujourd'hui le couple vit à Amiens et repart déjà sur de nouveaux projets. Manon a repris ses études, Diego lui vient de trouver du travail à Paris. Une nouvelle vie, toujours ensemble.